Est-ce qu'après les experts Miami, on a vu TF1 diffuser un épisode inédit, les experts Mimimati? C'est un programme court. Avec des tout petits indices. Ah, ça serait des bon, petits ça. Indices et des petits meurtres. Non, bon, ça va, on va vous sortir. Ah, souris. Regardez cette statue égyptienne. Voilà, on vous l'a encerclé pour que vous la voyez bien. Non. Et ben voilà, c'est un film en accéléré. Et figurez-vous que c'est le mystère de la statuette égyptienne qui tourne sur elle-même. Et ça rend dingue les Anglais. Mais alors, vous pouvez toucher à tout le monde, sauf à Mimimati que j'adore. Bah non, elle est trop... Mais c'est vous. Non, non, mais ça, pas Mimimati, je vous le dis. Je vous le dis. Mais on l'adore. Je l'adore, moi, je l'ai encore reçu hier à la maison, je lui ai fait couler un bidet. Oh, non, sors. En même temps, vu les cajous qu'il y avait, j'espère bien que j'ai gagné, quoi. Parce que là, il y a des limites, quand même. L'homme horizon, c'est celui que tu as raté. C'est le camarade de lycée qui a redoublé, l'ex qui n'a jamais voulu revenir, le type au regard pénétrant, mais t'étais un peu crevé. Tu peux te consoler en te répétant que de toute façon, ça n'aurait pas fonctionné, mais nous connaissons toutes les deux la vérité. Peut-être que oui. Voilà, il est là, l'homme horizon. Il a des bras qui ne te serreront jamais, un pénis que tu ne caresseras jamais. Oh, mais Audrey ! Des yeux que tu n'en Moi, je dirais idiot. Idiot ! Non, ça se tente ? Je suis ouverte à tout, c'est pas possible. Tu es ouverte à tout, toi ? Donc, t'es pas ouverte à tout le monde, déjà. Oh là ! Saute sur ta souris, clique sur un autre zapping et abonne-toi à la chaîne.